Classique 21, la mauvaise oreille de Freddy. Bien entendu. Ça fait partie des nouvelles séquences que vous avez pu découvrir la semaine dernière sur Classique 21. Freddy Tougoua rejoint l'équipe de Classique 21 avec sa mauvaise foi, sa mauvaise oreille aussi. Freddy, bonjour. Bonjour Raphaël et bonjour madame et monsieur tout le monde, les auditeurs. Cher Raphaël, cet été, j'ai eu la chance au Festival de Ronquière. Très bien, très bon festival. Oui, bien sûr. De voir le sixième groupe de Frank Black, malheureusement, je n'avais pas vu les cinq premiers, je n'ai pas vu pic 1, pic 2, pic 3, pic 4, pic 5, mais j'ai vu pic 6, ça oui. Et pendant le set sur scène, j'ai eu l'occasion d'entendre enfin ce morceau monumental en live directement que tout le monde a dans les oreilles. Vous l'avez ? Magnifique. Where is my mind ? Exactement. Et voilà, un morceau splendide que tout le monde connaît, mais tout le monde ignore que ce morceau, en fait, c'est à l'origine la version féminine d'un autre morceau que vous connaissez de qui ? De ceci. Écoutez. Exactement, parce que papa où t'es, where is mama, hein, voilà, donc, c'est exactement ça. Mais pas du tout. Vous ne connaissez rien. Mais vous dites n'importe quoi. Il y en a un qui cherche son papa, et l'autre qui cherche sa mama, where is mama, hein. D'ailleurs, il suffit, pour vous prouver ça, allez, Raphaël, écoutez-moi bien, il suffit de mettre l'un morceau sur l'autre morceau pour voir que c'est une évidence, écoutez-moi ça. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Alors, bon, juste un détail quand même, il ne dit pas « Where is mama ?» mais « My mind ». Mais vous entendez comme ça colle bien? Vrai que ça colle. Bah oui, quand on met papa sur maman, ça colle toujours bien. il dit pas... Qu'est-ce que vous avez dit, quoi? J'ai dit « My mind ». Je le savais bien, vous diriez ça, mais vous êtes tellement prévisible avec votre petite mesquinerie, là. C'est qui le mesquin de nous deux? Non, Raphaël, écoutez-moi. D'accord. Cette chanson, est-ce que vous savez où est-ce qu'il l'a... Il s'est inspiré de quoi pour l'écrire? Je ne sais pas du tout. Vous savez pas? Ah bien. Il s'est inspiré d'expériences sous-marines. Sous-marines? Sous-marines, et qu'il a fait où? Dans l'eau. Oui, exactement. Je ne sais pas où. Ah, vous êtes brillant quand même. Vous voyez, il y a un petit peu le dans les Caraïbes. Et les Caraïbes, c'est quoi? C'est des îles. C'est la mer. C'est la mer, oui. La mer, donc la maman, la maman des Caraïbes. Encore une fois, on revient sur la thématique. Vous voyez que tout tourne autour de ça. Il y a quelque chose. Ouais, ça vous en quête bouche un coin. Oui, pourquoi pas quête bouche avec quoi? Babouchka, peut-être. Et babouchka, ça veut dire quoi en russe? Ça veut dire grand-mère. Grand-mère, encore une fois, on revient sur la thématique pour de vous la dire maman. Que tout tourne autour de la maman. C'est une évidence. Excusez-moi, Raphaël, vous n'avez pas vu ça? Vous êtes un peu Freud, vous, le matin. Oui, Freud est un peu oedipien, c'est ça. Donc, la chanson a été écrite en 1988, si je me rappelle. Si je fais un effort d'imagination, 88, je pense, contre toute attente, que vous étiez à l'école. Je suis quand même allé à l'école un petit peu, surtout à 14 ans. Oui, j'avais 14 ans. 14 ans, vous deviez avoir des cours d'anglais à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et tout qui a suivi des cours d'anglais d'un antenne quelconque, c'est qu'il est passé par le manuel où on dit « Where is Brian ?» Brian, « Where is in the kitchen, généralement. « In the kitchen ». Et « kitchen », c'est quoi? C'est la place pour mettre qui? La maman. En 1988, on met la maman dans la kitchen. Donc, encore une fois, ça revient sur la thématique maternelle. Vous voyez que tout est fait pour bien comprendre que c'est de la maman qui parle, Monsieur Frank Black. Évidemment, aujourd'hui, les choses ont changé. La maman, la ménagère, n'est plus dans la cuisine. J'allais dire, elle est devant sa radio, elle est devant son ordinateur, pour écouter et fantasmer sur la voix de Raphaël Skyné. Oh, comme vous êtes, oui. Parce que c'est toujours pas filmé, les émissions sur Classique 21, donc elle ne voit pas votre physique. Non, mais c'est peut-être mieux le matin, en même temps. Elles peuvent s'imaginer que vous avez un physique sensuel comme votre voix, alors que moi, je sais très bien, vu que nous avons pris une douche ensemble, tout le monde le sait. Au football. Pour la bonne cause, quand même. Mais, malgré tout, la ménagère fantasme sur vous, et d'ailleurs, à la fin de la chanson de Frank Black, on entend la ménagère vous réclamer à corps et à cri désespérément. C'est ça, elle me réclame là dans vous, le... Elle vous réclame, Qu'est-ce que vous êtes un fantasme pour la ménagère, Raphaël? C'est incroyable. C'est magnifique. Vous n'avez pas l'air convaincu? À moitié. Alors, j'ai eu la chance d'avoir Frank Black qui m'a laissé un message. Oh, vous êtes l'ami des stars, mais évidemment. Et donc il le dit en anglais, évidemment. Écoutez, pour ceux qui parlent anglais, il dit que j'ai raison.
In all my life, I have not had the chance to meet Freddie Tugo. A person with such lucidity to analyze songs is exceptional. Never had anyone understood my work with so much clear-sightedness. I want to meet Freddie Tugo before I bouffe the pissenlit par la racine. Voilà. Voilà, il a envie de me rencontrer avant de bouffer le pissenlit par la racine. On avait compris, même si on ne parle pas anglais, je pense qu'on avait compris la dernière phrase. Bon, bah, écoutez, Freddy, si c'est Frank Black qui le dit, je m'incline totalement devant vous. Merci pour cette belle lucidité. Vous êtes formidable, bon, formidable. C'est naturel. Bien entendu. Classique 21, You Rock.